Alors bonjour. Euh... Voilà, les... les connexions arrivent. Est-ce que vous m'entendez OK, ça marche. Donc c'est bon, d'accord, bon, écoutez, j'attends, j'attends le... j'attends le, les connexions là on est à... on est à 63. j'attends une ou deux minutes le temps que les... que vos camarades se connectent et, et on pourra... on pourra prendre la suite. donc j'espère que ça... j'espère que ça fonctionne. là je suis sur un... je suis sur un partage de connexion. Euh, avec mon téléphone, mais euh, j'ai fait ça la semaine dernière déjà. Ça, avait, ça a très bien fonctionné. Hein, pour un... Vous étiez moins nombreux et c'était sur Zoom, mais euh, pour un cours de master avec mon téléphone. Donc, normalement, ça devrait, ça devrait marcher. Évidemment, n'hésitez pas à me le dire s'il y a le moindre problème de connexion ou si ça saute. Alors, on est à 75. J'attends 3 minutes hein, et puis on va. On va... On va pouvoir démarrer. Et donc n'hésitez pas, comme d'habitude, n'hésitez hein, pas à utiliser le chat euh, sur le côté puisque donc a priori on est parti euh, malheureusement pour, euh, bah pour terminer le semestre comme ça, hein, comme, comme on pouvait s'y attendre. Euh, euh, les, les amphis euh, en, en L1, L2, L3 sont. Enfin, L2, L3 au moins, en tout cas, à l'ICP, les amphis sont euh, a priori euh, écartés désormais. Donc, d'après ce que j'ai compris, même si les instructions peuvent, peuvent évoluer, euh, a priori, là, en, au jour de. Enfin, de, aujourd'hui en tout cas, à la date d'aujourd'hui, euh, le mode d'enseignement pour ce cours-là, pour le cours droit international, hein, ce sera désormais uniquement euh, du distanciel, euh, sachant que euh, je devrais avoir une licence Zoom euh, d'ici quelques jours, donc ce sera, euh, ce sera quand même un petit peu mieux normalement que, que YouTube. Euh, et notamment parce qu'on pourra faire quelque chose de, de privé, ce qui est quand même un peu plus agréable. Euh, ce sera pareil en droit institutionnel de l'Union Européenne a priori Donc, je vais prendre le relais de Philippe Corruble d'ici quelques... enfin bientôt euh, et là-dessus d'ailleurs euh, qu'est-ce que je voulais... oui je dois vous mettre un plan en ligne hein. je vais vous mettre un plan en ligne mais il faut que je le... comme, comme on va faire du distanciel euh, je vais faire un plan qui est aussi détaillé que celui que j'ai fait pour le pour le droit international. Donc, ça me prend un peu de temps parce que c'est ce plan, il n'est pas prêt. Là, j'ai une structure de cours, mais il faut que je le, faut que je la développe assez considérablement. Donc, euh, donc, euh, euh, vous l'aurez dans les dans les jours qui viennent, quoi, quand j'aurai eu le temps de quand eu le temps de le faire. Euh, ok. Alors, on, on a passé là, on a passé la barre des 100. Euh, il est 10h06, donc je vais peut-être peut démarrer. D'autant plus que euh, aujourd'hui, donc là, de toute façon, comme c'est comme en visio, hein, je vous l'ai déjà dit, je le redis à chaque fois, je, je réduis le temps d'enseignement de, de, parce que c'est évidemment beaucoup plus dur pour, pour vous comme pour moi. Euh, donc là, je vais, je, je vais faire à peu près deux heures, peut-être un petit peu moins de deux heures. Euh, Bon, pour des raisons aussi d'organisation, de, de, il euh, faudrait que je m'arrête vers midi moins le quart à peu près, donc ça va nous laisser quand même le temps d'avancer un petit peu. Hein. Mais, euh, mais comme ça, vous, voilà, vous, vous, vous serez peut-être un, peu un petit peu plus patient. Alors, euh, donc on va, on va, on va reprendre. Si je, si je me souviens bien, je m'étais arrêté. Euh, à, à l'étude de l'élément psychologique de la coutume, c'est-à-dire le, le, euh, la, la, la deuxième composante de la, de la règle coutumière, euh, après avoir étudié donc, la question de la pratique qui, qui nous a retenu un, qui nous a retenu un certain temps évidemment. Euh, et, euh, et donc je reviens pas là-dessus. Mais euh, je, je, je voudrais donc maintenant dans cette deuxième, dans ce deuxième paragraphe, aborder donc ce qu'on appelle l'élément psychologique de la coutume. Le terme est évidemment pas tout à fait approprié hein, euh, puisqu'on parle d'état, mais on parle d'élément euh, psychologique ou d'élément moral ou d'élément immatériel. Bref, euh, pour, pour décrire l'idée suivante, qui est que euh, une, une, une une pratique ne peut devenir une règle coutumière, je crois c'est ça qu'il faut comprendre, et on va voir comment ça se comment ça, ça décline. Hein. Mais une pratique ne peut devenir une règle coutumière que euh, si elle est considérée, cette pratique. Ah, pardon, juste une petite question pour la. Euh, 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 le cours des n'apparaît pas sur l'application pour ce mercredi. C'est normal. Le cours de droit euh, de l'Union européenne, oui, c alors c'est normal déjà parce que normalement il a lieu le mardi, me semble-t-il. Euh, le cours de droit de l'Union et euh, d'autre part parce que euh, parce que ça, le, prochain, le premier cours aura lieu la semaine suivante me semble-t-il pas la semaine prochaine mais la semaine suivante euh, parce que la semaine prochaine j'ai cours en master et, euh, et donc je ne pouvais pas faire cours donc je pense que je pense que vous, vous aurez pas cours euh, cette semaine, euh, oui ça vous n'avez vous pas cours cette semaine en droit de l'Union mais on a cours normalement la semaine prochaine en droit de l'Union. Euh, je vérifie juste, non, non, il n'y a pas de problème. Euh, attendez, je vérifie juste sur mon, sur mon emploi du temps. Euh... Ouais, c'est ça, c'est le, le premier cours avec moi en droit de l'union, c'est mardi prochain, mardi 20. Okay. Donc on, on, je vous donnerai des infos à ce moment-là, il, il apparaîtra sur le NT, je vous donnerai euh, le plan, vous aurez eu le plan évidemment à ce moment-là. Bref, donc je reprends ce que je vais dire sur l'élément sur euh, coutumier, donc juste pour vous dire que. Effectivement, euh, euh, l'élément psychologique, pardon, c'est ce qui va en fait permettre de faire la distinction entre une pratique, vous voyez, qui peut être partagée, et une règle de droit qui est révélée par cette pratique. Et donc, en fait, c'est vraiment un élément extrêmement important, au moins sur le plan. Théorique, alors ensuite, ce n'est pas toujours évident à aborder d'un point, point de vue très concret, mais euh, c'est vraiment, voilà, retenez ça hein, pour, 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 pour le début c'est l'élément qui permet de faire la distinction entre une simple pratique partagée et une règle coutumière révélée par cette pratique, ou une pratique révélant une règle coutumière. Euh, et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et donc, vous voyez, on parle d'éléments psychologiques euh, euh, ou d'éléments moraux. Euh, pour, pour euh, désigner la deuxième partie de l'expression qui est utilisée dans l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, hein, qui parle, donc encore une fois, quand il liste cet article, quand il liste les éléments de droit international, les sources du droit international, il nous parle des conventions d'abord, et ensuite de la pratique euh, euh, des États, etc., acceptée comme étant le droit. Donc ça veut bien dire que... Le, le, la pratique n'est une source du droit international que si cette pratique est, est acceptée comme étant le droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est ça que je voudrais voir ici. C'est donc ça qu'on appelle cet élément, euh, cet élément psychologique, euh, qu'on appelle aussi parfois. Alors, je ne vous l'ai pas mis, en, je, pas mis euh, euh, je crois, dans le plan à cet endroit-là. Euh, donc, on désigne parfois en latin aussi comme étant euh, l'opinio iuris. Donc je peux. Euh, je peux vous l'écrire ici. Euh, vous voyez ce qu'on appelle l'opinion iuris. Euh, J'espère que vous l'avez tous. Euh... Pardon, attendez, je. je... Ouais, c'était bon euh, l'opinion juriste donc pour, pour désigner simplement vous voyez l'opinion l'opinion du droit le sentiment du droit euh, donc voilà pour pour désigner le, le, cette, euh, cette perception finalement de euh, de la pratique comme étant le droit euh, par par les états alors euh, pour le pour, pour pour essayer de montrer comment ça comment ça marche comment en pratique le l'opinion euh, juriste se manifeste je distingue deux aspects en fait vous voyez l'acceptation de la pratique comme étant le droit et ensuite le refus de la pratique comme étant le droit, parce que c'est évidemment ça qui va permettre de distinguer entre ce qui est une règle coutumière et ce qui est une simple pratique, voyez, euh, euh, qui, elle, ne révèle pas une règle de droit. Alors, d'abord, sur l'acceptation de la pratique comme étant le droit, euh, le principe, vous voyez, le principe, il est simple, je viens de l'évoquer, la pratique ne se suffit pas à elle-même, donc je ne vais pas revenir là-dessus, en fait, je viens de, de l'évoquer, hein, c'est-à-dire l'idée que, pour qu'une règle coutumière existe, il faut euh, à la fois, enfin, euh, il faut que les États perçoivent la pratique comme étant le reflet d'une règle juridique. En gros, il faut que les États se comportent de la manière dont ils se comportent. Il faut que les États se conforment à la pratique parce qu'ils ont le sentiment euh, qu'ils sont obligés de se comporter comme ça. D'où l'idée de opinio juris, c'est-à-dire il faut qu'ils aient le sentiment du droit, faut qu'ils aient l'impression du droit. Euh, il faut que, euh, euh, il n'aient pas la, la, le, 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 comment dire, le sentiment de pouvoir se comporter autrement. Ok, donc euh, ce qui est important en fait, c'est de comprendre que la, la donc la pratique ne suffit pas elle-même. La, la pratique elle-même euh, doit s'accompagner de cet élément-là. Et pour pour bien l'illustrer, je voulais prendre un exemple. J'ai pris un exemple, vous voyez, tiré de l'avis de la Cour internationale de justice de 1996, dans la, la au sujet de la licéité de l'arme nucléaire. Euh, qui est assez intéressant à cet égard et qui permet de bien comprendre ce que, ce que je viens d'évoquer, ce que j'évoque depuis le début. Dans, dans cet avis de 96, c'est un avis, hein, l'Assemblée générale de l'ONU avait, avait posé la question à la Cour internationale de justice de savoir si il existait en droit international une règle interdisant l'utilisation de l'arme nucléaire, de la bombe atomique. Euh, et euh, la Cour internationale de justice donc, passe en revue les différentes sources du droit international pour voir si oui ou non il y a une interdiction ou, 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 ou pas. Et euh, la, la, la CIJ dans cette affaire, elle commence par passer en revue les traités, assez classiquement. Hein. Euh, elle constate qu'il n'y a pas de traité qui interdit l'utilisation de l'arme nucléaire. Il y a des traités sur la non-prolifération il y a des traités de non, de, euh, euh, comment dire, qui interdisent le développement de l'arme nucléaire. Euh, mais il n'y a pas de traité qui interdit en soi l'utilisation de l'arme, même s'il y a des traités de dissuasion. Bref, peu importe. Ce qui nous intéresse, pas le fond du droit ici, c'est la question de la coutume, parce donc elle voit qu'il n'y a pas de règle dans les traités. Elle va voir la coutume, elle va vérifier s'il y a une pratique acceptée comme étant le droit. Et ce qui est intéressant, c'est justement que la pratique sur la non-utilisation de l'arme nucléaire, il y en a une effectivement. La Cour internationale de justice constate que la, la, la pratique est, euh, est uniforme en la matière, tu dire, depuis 1945, depuis le 9 août 1945, aucun État n'a jamais utilisé arme atomique. Donc, oui, on a une pratique cohérente, répétée, universelle, oui toutes les cases sont cochées pour le, pour, le premier, pour le premier critère, pour le critère de la pratique, ça, il n'y a pas de problème. Euh, en revanche, la pratique, va, la, la, la Cour, pardon, va examiner la, le, le deuxième volet, c'est-à-dire l'opinion, est-ce qu'il y a le sentiment que c'est une règle de droit Et c'est là que la Cour va considérer que à aucun moment, en réalité, à aucun moment, les 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 États n'ont exprimé le sentiment, vous voyez, suivant lequel il existait une interdiction d'utiliser l'arme atomique. Euh, au contraire, tout ce qui s'est passé pendant la guerre froide, etc., le principe de la dissuasion, le principe de l'équilibre, de la terreur, etc., c'est l'idée que euh, euh, les États n'utilisent pas l'arme atomique parce que ils savent que s'ils l'utilisent, celui d'en face va l'utiliser aussi. Bon. Euh, mais donc, vous voyez, et, et c'est pour ça qu'ils ne l'utilisent pas, ce pas parce qu'il considèrent qu'il y a une interdiction, c'est parce qu'il considèrent qu'il y a un risque factuel trop important. Voyez donc, en réalité, ce que va dire la Cour, c'est que le, le, le premier volet, le premier critère de la règle coutumière, il est rempli sans aucune difficulté. En revanche, ce qui fait défaut ici, c'est précisément l'absence d'opinio iuris, c'est-à-dire l'absence de sentiment qu'il y a une interdiction. Euh, et, et notamment chez les puissances nucléaires. Alors, il y a des, y a des États qui militent pour l'interdiction, mais les puissances nucléaires, les pays qui ont euh, la, bombe, la bombe atomique, euh, évidemment, ne considèrent pas qu'il y a une interdiction de, de l'utiliser. Donc, c est, c est, c est, je trouve que c'est une illustration assez intéressante, vous voyez, du, du, de ce que c'est vraiment que l'opinion juriste. Et ça vous montre bien que face à une pratique parfaitement cohérente, répétée, universelle, incontestable, eh bien, euh, euh, l'opinion juriste peut à la limite, euh, euh, permettent d'identifier s'il y a ou non une, 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 règle, une règle coutumière. Donc ça, c'est sur le premier point et euh, sur le principe. Sur, sur la chronologie ensuite, ce que je veux dire, c'est la chronologie entre les deux éléments et la pratique et l'opinion. En théorie... Euh, il devrait y avoir une chronologie un petit peu, euh, un petit peu stricte suivant laquelle vous, voyez, vous avez d'abord la pratique qui se développe qui s'universalise qui s'harmonise etc et une fois que la pratique est vraiment globalement cohérente eh bien euh, l'opinion juriste va apparaître c'est-à-dire que les états vont petit à petit euh, considérer que euh, cette pratique correspond à une règle de droit ça c'est le c'est dire c'est c'est la position euh, théorique. En pratique, c'est ce que j'ai indiqué dans le plan. Hein, en pratique, les deux éléments vont se confondre beaucoup euh, euh, dans, dans la réalité. C'est-à-dire que, au, au moment même où ils adoptent une pratique, les États vont euh, souvent avoir le sentiment de, de se conformer déjà à une règle de droit. Si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que dès le début. Euh, dès, dès le commencement en fait, d'une pratique, souvent les États considèrent que cette pratique repose sur, sur une règle de droit. Et ce qui fait que le, le processus théorique de constitution d'une règle coutumière, théorie-pratique, il est souvent difficile à, à identifier très, très précisément. Euh, donc euh, je crois qu'il ne voilà, il faut, il faut pas être excessivement formaliste en la matière, d'autant plus que souvent, ce que l'on constate, et c'est ce que je verrai dans, mon, dans, mon, dans, mon, euh, dans ma section 2 hein, après, euh, euh, sur la preuve de la coutume, souvent ce qu'on constate, c'est que l'opinio ioris, elle est elle-même révélée par la pratique, elle est révélée par la manière dont les États vont se comporter vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de la règle en question. Euh, ce qui fait que, vous voyez, dans le schéma théorique, on peut très bien comprendre comment les États commencent à se comporter d'une manière et petit à petit cette manière devient obligatoire ou fait naître le sentiment d'une obligation. En, en, en réalité, on voit bien que l'un et l'autre sont étroitement, étroitement mêlés. Bon. On reviendra là-dessus au, euh, au moment de la de la euh, de l'examen de... Alors attendez, je euh... voilà, je, je bloque les... Je bloque les, les petits malins là, qui euh, qui s'amusent. Alors attendez, j'arrive. Je vais répondre à votre question. Voilà. Donc, euh, l'opinion Yoris est à la fois euh, à la fois l'origine du comportement est révélée par celui-ci. Un, un petit peu, en tout cas, ce que je dis, c'est que ça, ça peut l'être, si vous voulez. Euh, ce que l'on constate en pratique, c'est que souvent, l'opinion est un peu à l'origine du comportement, effectivement, et de et, 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 et fait, elle est révélée, effectivement, par celui-ci. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est qu'en pratique, il euh, y a peu de... il y a peu de... Euh, euh, de, de distinctions très faciles à faire entre les... Euh, entre les deux éléments. Donc... Euh, souvent effectivement la, la, la pratique sera, sera de fait révélée par le l'opinioniste pardon sera de fait révélée par la pratique je vais y revenir dans la deuxième, dans la deuxième section là-dessus hein. donc euh, pas d'inquiétude de, pas de, pas sur, sur ce point-là on va revenir sur la question de la preuve de la coutume avant ça je vais juste revenir donc vous voyez sur le refus de la pratique comme étant le droit l'idée est que ici euh, en fait, c'est ici qui va se révéler, Donc, dans mon deuxième point, le refus de la pratique comme étant le droit. Euh, ici, va se révéler le, le, euh, euh, le, le consentement finalement de l'État. Parce que euh, jusqu'ici, euh, on a vu quand même que dans la règle coutumière, il y avait assez peu de place euh, faite au, au consentement de l'État. Contrairement au traité, où là, il y avait, euh, voilà, il y avait la signature à ratification. Jusqu'ici, on peut se demander... Ou est-ce que l'État consent à la règle coutumière, puisqu'à aucun moment il doit explicitement accepter la règle Eh bien, en fait, ce consentement, il existe bien, puisque un État peut toujours refuser une pratique comme étant le droit. Et, euh, il peut le faire. Alors, il y a deux hypothèses. L'hypothèse de ce qu'on appelle l'objecteur persistant d'abord, et ensuite, euh, euh, la question de, de l'État nouveau. Alors, sur l'objecteur persistant, premier point ici, c'est juste pour vous dire qu'un État peut effectivement refuser une règle coutumière. Euh, dans ce cas-là, euh, il, il doit pouvoir se voir reconnaître, enfin, il, il peut refuser une règle coutumière s'il si est reconnu comme étant objecteur persistant à cette règle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'État euh, doit s'opposer à la règle en question de manière euh, répétée et formalisée, ce que j'ai indiqué dans le plan, c'est-à-dire qu'à à la fois son objection à la règle doit être explicite, il y, y a deux conditions claires, c'est le caractère formalisé, elle doit être explicite. Euh, il doit le dire ouvertement en disant « Tous les États se comportent comme ça. Il y a probablement une règle coutumière, mais moi, je la refuse. » Et elle doit être répétée. Euh, C'est-à-dire que la, la position de l'État doit être euh, cohérente, doit être euh, uniforme dans ses relations internationales. Et euh, il ne doit pouvoir le faire que euh, euh, de manière... Enfin, il doit le faire, pardon, de manière, de manière explicite. Donc, euh, l'idée est assez simple, vous voyez. C'est simplement que... Euh, L'état, euh, en gros, dans le, dans, le, dans le consentement, dans la coutume. Oh putain, ce matin, c'est un peu la, la fête du relou. Hein. Euh, je, je suis désolé, j'essaye de basquer de, de au fur et à mesure les intervenants extérieurs. Euh, bref, euh, le. le euh, le, et donc, on passera à Zoom hein, dès qu'on pourra, dès, dès que j'aurai une licence, parce que ce sera quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, ce que je veux dire, c'est que oui, le, le consentement, on, ce qu'on peut dire, pour dire autrement, c'est que dans la coutume, le consentement de l'État, il est implicite. Et En gros, si l'État ne dit rien, c'est qu'il est, qu il est, est, qu il est euh, réputé, il est, il est présumé hein, avoir consenti à la règle coutumière, il est, il est présumé avoir, en fait, donné son opinion, avoir considéré que la, le, la pratique était du droit. Euh, euh, à l'inverse donc il a la possibilité de refuser cette pratique mais là comme le consentement est explicite l'absence comme le consentement est implicite pardon l'absence de consentement doit être explicitée par l'état donc c'est l'idée du euh, de l'objection répétée et formalisée et euh, telle qu'elle a été révélée donc dans l'affaire des, des pêcheries anglo-norvégiennes je vous ai mis l'exemple je vous ai mis le, le euh, la référence dans le plan dans les pêcheries anglo-norvégiennes c'est vraiment l'arrêt de principe en la matière il est peut-être dans une fiche de TD d'ailleurs je ne me souviens plus hein. euh, c'est c'est un, un arrêt de la Cour internationale de justice dans lequel euh, la, la Norvège justement euh, euh, refusait le une règle coutumière qui portait sur les, les, euh, la distance des zones de pêche. Au-delà de, du, du littoral, la zone de pêche peut aller jusqu'à 3 ou 12 000 nautiques. Bon, ça dépend un peu des, des, des circonstances. Euh, peu importe. En gros, c'est un problème de distance. Mais il y a une règle coutumière. Il y avait une règle coutumière à l'époque qui était que la mer territoriale de l'État allait jusqu'à 3 000 nautiques. Euh, donc euh, environ enfin, 3, 5 km 5, 5 ,5, et demi. Hein. C'est des miles et pas des miles. Hein, Ce n'est pas la même unité de mesure. Euh, et donc le, le, le euh, 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 bref le, le, la Norvège refusait cette règle-là. Et euh, dans l'affaire des pêcheries anglo-norvégiennes, la Cour internationale de justice a constaté qu'effectivement la, la, la Norvège s'était toujours opposée à cette règle. Elle l'avait toujours dit de manière explicite. Elle elle avait jamais appliqué la règle des 3000 nautiques. Et donc elle a considéré que la Norvège était objecteur persistant à la règle et donc que cette règle ne lui était pas euh, ne lui était pas opposable. donc vous voyez, c'est comme ça que l'état peut effectivement échapper à euh, l'opposabilité d'une euh, règle coutumière. le caractère formalisé est important. Hein, j'insiste là-dessus parce que et le caractère répété aussi euh, est important parce que l'état ne peut pas revendiquer le statut d'objecteur persistant précisément au moment où on veut lui opposer la règle, si, si jamais il n'a rien dit avant. Mais, euh, euh, il peut très bien euh, tolérer la règle tant qu'elle tant qu s'applique à d'autres, et puis au moment où on veut lui opposer, dire ⁇ Ah oui, non, mais au fait, je ne suis pas d'accord avec cette règle, je suis objecteur persistant. Ça, ça ne marche pas. Il hein, y a un problème de sécurité juridique euh, et, et de respect du droit international. Euh, en revanche, si dès le début, comme c'était le cas de la Norvège, avant même qu'on lui oppose, la Norvège avait dit ⁇ Moi ⁇ je veux aller au-delà de 3000 nautiques, dans ce cas-là, euh, effectivement, il n'y a pas de difficulté. Donc c'est comme ça, si vous voulez, c'est à cet endroit-là, c'est à cet endroit-là qu'on peut retrouver un petit peu une forme de consentement dans le, euh, dans le, dans le, euh, dans le droit international, euh, dans, dans la coutume. Donc euh, euh, reste évidemment la question de euh, l'objecteur persistant isolé. Alors, c'est une question un peu plus compliquée, c'est-à-dire euh, l'État qui serait seul vous voyez, à défendre une position contraire à une pratique universelle, etc. Euh, ici, la, la, la difficulté est que euh, ah, c'est un problème de nouveau de, de, de sécurité juridique, euh, on peut imaginer vous voyez, une règle universelle, l'interdiction de la torture, qui est une règle coutumière, et un État qui, euh, qui, qui serait en position d'objecteur persistant isolé, qui serait le seul à défendre la non-existence de cette... Euh, de cette règle coutumière. Euh, Là-dessus, euh, bon, le droit international ne, ne, ne peut pas euh, s'opposer à la, la possibilité d'un objecteur persistant isolé. Ce que je veux dire, c'est que euh, l'État, le, le, euh, euh, le, 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 même s'il est seul de son espèce à défendre une position, s'il si respecte les conditions de l'objection persistante, c'est-à-dire la répétition, la formalisation, caractère explicite, euh, s'il respecte ces conditions, il doit être considéré comme objecteur persistant et donc il peut échapper à la règle coutumière. Euh, donc, même s'il est seul, il y a, y a a priori, en droit international, on ne peut pas, on peut pas lui, lui opposer une règle, sauf cas très particuliers, qui est en fait celui que je viens de prendre comme exemple, sauf qu'à très particulier euh, d'une règle qui serait une règle impérative du droit international et une norme de use case ou une norme impérative du droit international, dans ce cas-là, l'État le, euh, le, euh, euh, ne peut pas euh, ne peut pas y échapper. Euh, donc le le euh, 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 comment dire le, le voilà, le, le droit international, là tu retrouve hein, sa, sa logique intersubjective de, euh, du consentement. Ensuite, la deuxième hypothèse que je voulais évoquer, c'est euh, l'hypothèse d'un État nouveau. Alors, la question m'a été posée, je crois, la semaine dernière, ou euh, un, un des rares jours où j'ai eu le, la chance de, de pouvoir aller à l'ICP. Euh, et vous aussi, euh, l'hypothèse d'un État nouveau. Euh, alors, le, le, ça peut, c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, effectivement, un État qui apparaît, voyez, un, un État qui devient indépendant, euh, sur la, voilà, un nouvel État. Euh, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il y a eu quelques-uns ces, ces dernières années, le Sud-Soudan, c'est le dernier, hein, qui date de 2011. Le Sud-Soudan est devenu indépendant par rapport au Soudan, le Monténégro, le Kosovo. Euh, on aurait pu avoir la Nouvelle-Calédonie si le référendum d'il y a une semaine avait été euh, en faveur de l'indépendance. Bon, voilà, c'est pas des choses qui arrivent tous les jours, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, l'idée, le principe, hein, vous voyez, ce que j'ai indiqué, c'est le principe de l'opposabilité de la norme coutumière. C'est-à-dire que euh, l'État le, le, euh, nouveau, en fait, il, il, il n'apparaît pas euh, complètement euh, vierge de tout droit international, si je puis dire. Ce n'est pas un État qui apparaît et qui ensuite va pouvoir choisir au cas par cas ce qui existe et ce qui n'existe pas. Euh, L'État nouveau, il arrive dans un ordre juridique international qui préexiste à lui et donc il ne peut pas faire comme si les Nations Unies n'existaient pas, comme si la Convention de Vienne sur le droit des traités n'existe pas, comme si la coutume internationale n'existait pas donc l'État nouveau, on ne peut pas lui opposer de traité tant qu'il n'a pas signé ses traités, ça c'est certain hein, mais euh, voilà, il est fortement invité à le faire, et le principe pour les règles coutumières, c'est que les règles coutumières lui sont opposables, puisque l'État nouveau, de nouveau je crois que pour le comprendre il faut, il faut, il faut, il faut euh, présenter les choses comme ça l'État nouveau, dans la mesure où il apparaît dans un ensemble préexistant qui est le droit international. eh bien, l'existence du droit international s'impose à lui et donc il doit respecter euh, les règles de droit international, y compris les règles coutumières du droit international. donc, euh, c'est comme ça que le, le, le principe est euh, l'opposabilité de la norme coutumière. ensuite, on peut imaginer, hein, si on pousse encore un peu plus loin, que l'état nouveau, dès le début, dès son apparition, se place en position d'objecteur persistant par rapport à une règle. Et euh, dans ce cas-là, voilà, peut-être qu'au bout de dix ans d'objection persistante, s'il formalise son opposition à la règle, qu'il se comporte d'une manière euh, conforme à, sa, à, sa, à son opposition à la règle, euh, c'est-à-dire s'il ne respecte pas la règle et s'il estime, que s'il est, qu indique explicitement que pour lui cette règle n'existe pas, eh bien, euh, on pourrait considérer effectivement que. Cette règle euh, ne lui est pas opposable, qu'il est qu'il est qu'il a basculé en position d'objecteur persistant. Et, mais ce que je veux dire, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas être un État nouveau ne peut pas être objecteur persistant euh, ab initio quoi dès le début. Euh, il peut le devenir, mais au départ, le, la solution de principe, c'est que les règles coutumières lui sont euh, lui sont effectivement opposables. Okay. Euh, donc voilà, j'ai pas besoin d'aller tellement plus loin là-dessus parce que euh, c est, c est, euh, euh, ensuite ça peut être un peu, un peu, un peu complexe, mais euh, au moins là, là vous avez les éléments essentiels sur ce que c'est que l'opinion ioris et ce que c'est que l'acceptation de la règle coutumière. Ensuite, évidemment, se pose la question de la preuve de la coutume, vous voyez, euh, ce que j'ai un petit peu abordé tout à l'heure, comment on fait pour établir une, une règle coutumière? Euh, bon, donc, position du problème, évidemment, la double difficulté elle est simple, vous voyez, prouver l'existence de la règle, prouver le contenu de la règle. Et il y a vraiment ces deux volets-là hein, qui, sont, qui sont complémentaires. Euh, parce que le, le prouver l'existence d'une règle, c'est une chose, mais la difficulté peut être aussi de déterminer le, le, le contenu exact de cette règle, le contenu précis de cette règle. Voyez euh, je prenais l'exemple des, euh, des limitations dans les zones maritimes tout à l'heure. Bon, euh, qu'il y ait une limitation de la souveraineté de l'État sur les zones maritimes, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça s'arrête ça, on peut, on peut c'est une chose. Dire, il y a une règle qui dit au-delà d'une certaine limite, l'État n'est plus euh, chez lui, l'État n'est plus souverain, et dans le prolongement maritime de son territoire terrestre. Euh, ensuite, ça, c'est l'existence de la règle. Donc, prouver l'existence de la règle c'est une chose. Ensuite, prouver quelle est la limite chiffrée euh, euh, au-delà de laquelle l'État n'est plus souverain, ça, ça c'est autre chose, et c'est pas forcément évident à, à établir. Alors, il se trouve qu'en matière de délimitation maritime, la pratique est tellement clair qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Aujourd'hui, on est à 12 000 nautiques pour la mer territoriale, mais, euh, mais ça peut poser des difficultés euh, voilà, en termes de précision de l'arrêt. Et puis, euh, par ailleurs, le, le, le point que je voulais soulever, c'est la difficulté de distinguer la pratique de l'opinion juris. Euh, C'est-à-dire euh, que, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parfois... Euh, L'exemple tailles du Soudan puis le de partage de dette avec le Soudan. Alors oui, c'est une question pratique. Euh, je réponds à votre question rapidement. Euh, oui et non, euh, non parce que ça n'est pas qu'une règle coutumière ici et petits réfugiés le partage de dette avec le Soudan. L'idée c'est que le Soudan était un État qui avait, enfin, qui a toujours une dette très importante. Notamment vis-à-vis -vis de, euh, de, de, de bailleurs de fonds internationaux, de la Banque mondiale, vis-à-vis d'institutions internationales, etc., et vis-à-vis -vis de partenaires commerciaux, vis-à-vis d'autres États, ou vis-à-vis -vis de, de, de privés, hein, d'ailleurs, peu importe, il a une dette. Quoi. Et euh, du coup, le Sud-Soudan s'en détache et dit bah, Moi, je, je repars à zéro, euh, c'est le Soudan qui doit assumer ma dette. Oui. Sauf qu'en droit international, il euh, y a un principe de succession d'obligations aussi, c'est-à-dire que on verra ça en examinant la succession d'États, c'est-à-dire qu'un État. Euh, lorsqu'il devient indépendant, il est toujours le successeur d'un autre État. Et, et donc, il, il, il hérite en partie des droits et obligations de cet État. Et donc, même si ici, si le Soudan garde euh, ses obligations, il va partager une partie de ses obligations avec son héritier, si je puis dire, qui est le Sud-Soudan. En gros, hein, pour, pour, pour répondre simplement à votre question. Donc, il peut refuser de partager la dette pour ce qui est de la partie imputable au, à la partie nord du pays. Mais, mais pour ce qui est d'une euh, partie de la dette qui lui est propre, c'est euh, délicat. Bon, D'autant plus que voilà, ce n'est pas uniquement des règles coutumières, donc c'est vrai que la, la question est un peu, un peu particulière. Mais voilà la réponse que je peux vous faire à ce stade. Mais c'est vrai que ça peut être une question effectivement de, de, euh, de reconnaissance d'une de, euh, règle coutumière pour un, pour un nouvel État. Euh, donc, je disais, oui, en pratique, la difficulté de distinguer la, la pratique de l'opinion c'est simplement que, comme, comme, comme on l'a un petit peu vu, euh, euh, l'État nouveau comme Israël à l'époque de sa création, oui, euh, Israël est effectivement un État nouveau à l'époque de sa création, et, euh, et donc, le, euh, le, euh, euh, le, le alors, la difficulté étant que euh, c est, c est, Israël, c'est vraiment une création à l'initio, c'est une création euh, euh, complètement nouvelle. Et donc, euh, il est difficile de considérer Israël comme l'État successeur de, euh, des territoires palestiniens qui étaient là, ou même à la limite de l'autorité britannique qui administrait les territoires palestiniens à l'époque. C'est clairement un État, euh, euh, l'État peut-être le plus nouveau hein, qu'on qu ait vu au XXe siècle. Et, euh, et qui d'ailleurs dès le début c est, c est, c est, euh, euh, a signé énormément de traités hein, a adhéré aux Nations Unies et donc ça aussi en tant qu'état membre des Nations Unies il est tenu de respecter le droit international dans son ensemble et Or, le droit international dans son ensemble, ça implique le droit coutumier. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut considérer que euh, euh, l'État d'Israël, dès le début, comme, comme à nouveau, vous voyez, reste soumis à, euh, au, au droit coutumier. Euh, bref, ça c'est des questions qu'on verra un petit peu en étudiant l'État. Hein. Donc je ne je, je veux pas, pas être trop long là-dessus. Euh, donc je dis, ouais, la, la, la difficulté de distinguer la pratique de l'opinion juris, elle, euh, euh, elle tient au, au fait que... Euh, bah, L'État va rarement. Comme, ben, voilà, pardon, je, je reprends ma phrase. Comme le consentement est implicite dans la règle coutumière, euh, l'État ne va pas exprimer ce, ce consentement de manière formelle. Hein. Et donc, où est-ce qu'on peut voir le consentement à la règle C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut voir que l'État considère qu'il y a une règle coutumière Eh bien, c'est dans son comportement matériel dans son comportement vis-à-vis euh, euh, -vis de cette règle. Donc ce qui fait qu'en pratique, euh, pratiquer opinion juriste sont souvent des choses vous voyez, qui, sont, qui sont très mêlées. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir concrètement pour identifier l'opinion juriste On va regarder la pratique de l'État. On va regarder comment cette pratique euh, s'intègre dans une politique globale. Est-ce que c'est cohérent avec la politique globale de l'État euh, on va regarder le discours de l'État aussi quand il agit de cette manière-là. Est-ce qu'il fait référence au droit international ou est-ce qu'il indique je me comporte comme ça mais je considère pas que c'est une règle, ce qui est possible aussi. Bref, vous voyez, on va aller voir toute une série d'éléments qui vont être un peu une logique de faisceau d'indices, quoi. C'est-à-dire on va accumuler les éléments pour voir si oui ou non il euh, y a une pratique euh, qui est considérée comme comme étant le droit. Euh, on va regarder aussi il y a un élément qui est qui, est, qui peut être très important à cet égard on va regarder la pratique des juridictions internes voyez, pour identifier l'opinion juris. on va regarder la pratique des euh, des, des, de, de, des juridictions internes euh, et notamment on va regarder si les juridictions internes si le juge national lorsqu'il applique le droit international coutumier est-ce que il y fait référence justement comme une règle comme 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 il y ferait référence à une règle de droit voyez euh, et dans ce cas-là, ça veut bien dire que le juge, donc l'État, considère qu'il y a une règle de droit. Euh, si vous prenez la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'immunité, j'ai déjà pris cet exemple, mais c'est souvent le plus pertinent, prenez la jurisprudence de la Cour de cassation sur l'immunité, la Cour de cassation, dans ses visas, elle renvoie aux règles coutumières relatives aux immunités. Voyez donc dans ce cas-là, c'est très clairement ici. Une opinion juriste formalisée, si je puis dire, c'est-à-dire le sentiment que cette pratique euh, cohérente et réputée correspond bien à une règle de droit. Donc, vous voyez, c'est dans, dans, dans cette série d'éléments qu'on va pouvoir aller identifier souvent euh, les, éléments, euh, euh, les éléments les plus, euh, les, les, les plus pertinents. Euh, bon, voilà, voilà en gros. Alors, ensuite, euh, ça ne règle pas toutes les difficultés et c'est pour ça que euh, dans la pratique internationale, on a développé aussi évidemment. Une, une pratique de, de, de codification de la, de la coutume internationale euh, à travers une procédure particulière. Donc, je voudrais dire un mot sur la, la, la codification. Vous voyez, donc présentation, notion, euh, avantage, procédure, bilan. Alors, rapidement, euh, la notion de codification, elle est très simple. Hein, vous voyez, c'est juste l'idée que, en droit international, évidemment, comme dans tout système juridique, euh, on considère qu'il est préférable d'avoir des règles précises euh, parce que c'est. Plus les règles sont précises, plus on évite les, enfin on traite les les, les, les différents en amont et donc ça permet d'éviter les conflits. C'est un facteur de sécurité juridique qui est un facteur de stabilité de la société à laquelle s'applique le droit en question. Donc euh, évidemment, le, le, la codification vise à répondre à ces préoccupations en mettant à l'écrit des règles non écrites. La codification c'est tout simplement ça, c'est mettre à l'écrit des règles non écrites, euh, c'est-à-dire euh, en fait pour dire, le dire plus simplement encore, transformer la coutume en traité. Et la codification, c'est le processus en droit international qui consiste à transformer les règles qui sont coutumières en euh, traité, en convention, euh, en convention internationale. Euh... Cette, cette codification, elle, elle est aujourd'hui confiée à, une à un organisme, pardon, qui est la Commission du droit international. Voyez euh, donc, juste un mot sur la Commission du droit international, la CDI, pour vous dire que donc cette euh, cette euh, cette codification, cette pardon, euh, commission, c'est un organisme qui a été créé par euh, la par l'Assemblée générale de l'ONU. Hein, donc, c'est un organe de l'ONU. Hein, euh, donc, qui a été créé par l'Assemblée la, générale de l'ONU euh, en 1947. Donc, relativement, une date relativement ancienne. Hein, c'est une des premières créations de euh, euh, de, de, de l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est un organe. Alors, c'est quelque chose de particulier. C'est un organe qui est composé de, de juristes hein, de droit international. Euh, une trentaine de juristes, c'est un tout, un organe assez, assez, assez resserré, voyez euh, de spécialistes, de, de, composé de spécialistes de droit international, et à qui l'Assemblée générale va confier euh, des, des, des sujets, et c'est-à-dire des, 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 des domaines dans lesquels l'Assemblée générale va lui demander de codifier, et donc le, euh, la commission va essayer de mettre à l'écrit les règles de. Euh, euh, les règles de droit international en question. Donc voilà, l'Assemblée générale va lui dire, il faudrait codifier le droit des traités, par exemple. C'est ce qui s'est passé pour la convention de Vienne sur le droit des traités. La Commission du droit international se met au travail. C'est pour ça que c'est vraiment des spécialistes du droit international public hein. euh, identifient la pratique, identifient l'opinion et essaye de mettre à l'écrit et de formaliser au maximum cette pratique et cette opinion juriste pour en faire un, en faire un traité. Donc c'est assez simple, hein enfin c'est assez simple à comprendre de l'extérieur, ensuite c'est un processus évidemment extrêmement extrêmement complexe. Les avantages de la codification, je crois que j'ai pas besoin d'y euh, insister, évidemment, euh, puisqu'on bascule dans un traité, après la codification, ça facilite euh, l'opposabilité de la norme, puisque là, euh, il n'y a plus d'objecteurs persistants, c'est un traité, donc il est opposable aux parties, au traité, un point c'est tout, ça clarifie le contenu. Évidemment, là aussi, puisque euh, le, euh, le, euh, euh, le, le contenu est écrit euh, et donc il y a moins de discussions possibles sur, euh, euh, sur le contenu de la règle. Et puis, réintroduit une logique de consentement. En tout cas, euh, je pourrais préciser dans mon plan, réintroduit une logique de consentement explicite. Parce que dans la mesure où on bascule dans un traité, euh, le traité doit être signé, approuvé, ratifié, etc. Et donc... Le, le la seule voilà le seul fait qu'il s'agisse d'un traité permet quand même très largement de de revenir à un consentement un consentement un peu un peu classique donc voilà sur ce, sur ce point là sur, sur les avantages ensuite sur la procédure euh, rôle essentiel de l'assemblée générale ce que je veux dire c'est que c'est l'assemblée générale de l'onu qui va définir les sujets sur lesquels il faut codifier le droit international euh, c'est vraiment elle qui a un, qui a un, un, un monopole, enfin euh, à, à qui a, oui, une, une forme de monopole à cet égard, euh, puisque euh, le. Euh, euh, pardon, excusez-moi, j'étais en train de bloquer quelqu'un et du coup j'ai loupé la question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des avantages à ne pas formaliser des États qui pratiquent la coutume mais pourraient ne pas ratifier. La... Oui, je vais y revenir aussi, bien sûr. Il euh, euh, y, y a un avantage à ne pas codifier. Enfin. Pour différentes raisons, enfin c'est ce que je voulais aborder dans le dans le bilan, c'est-à-dire que la, le problème c'est quand on met dans un traité, on fige la règle aussi, euh, c'est-à-dire on la fixe. Et un traité c'est toujours difficile à amender, à faire évoluer, alors que la coutume, comme elle est liée à la pratique, la coutume elle peut évoluer et donc s'adapter aux réalités sociales, à des contextes particuliers, etc. Donc ça c'est effectivement une c'est une une possibilité. Euh, ensuite, euh, comme on le verra, l'État qui ne ratifie pas le traité de codification il peut continuer à être subordonné à la coutume, puisque la règle coutumière subsiste après la codification. Donc j'y reviendrai, mais effectivement, la, la, euh, la, la codification n'est pas forcément recherchée systématiquement. Elle peut avoir des avantages, mais elle peut aussi... Euh, poser des difficultés, c'est ce, ce que je verrai dans mon, dans mon B. Euh, avant ça, je voudrais juste voir le rôle essentiel de l'Assemblée générale, je l'ai dit, et en fait ce rôle essentiel, il est justifié par le fait que l'Assemblée générale, c'est vraiment l'organe universel. C'est l'ensemble des États. Tous les États ont un siège à l'Assemblée générale, et euh, sur une base d'égalité, puisque tous les États ont une voix à l'Assemblée générale. Donc c'est vraiment l'incarnation de la communauté internationale, et il est logique que ce soit elle qui soit vraiment euh, du coup à la manœuvre. Hein. Euh, euh, dans, dans les projets de codification, parce que l'Assemblée générale, c'est les États, c'est vraiment aussi simple que ça. Euh, ensuite, absence de monopole de la Commission du droit international. Ici, je voulais simplement, effectivement, évoquer le fait que l'Assemblée générale, quand elle va décider de codifier une coutume ou de faire codifier une coutume, généralement, elle va soumettre la mission, elle va, elle va donner la mission, confier la mission à la Commission du droit international, mais elle peut aussi la confier à d'autres organismes euh, en fonction du, du sujet. Euh, ce que je veux dire, c'est que si l'assemblée la, générale veut codifier un domaine très spécifique du droit international en matière d'environnement, en matière d'installation classée, en matière de, de je sais pas, d'énergie de, de, nucléaire, voyez, plutôt que de donner ça à des juristes de droit international général, on va peut-être s'adresser à une organisation internationale spécialisée, euh, par exemple la hein, l'agence internationale de l'énergie atomique. Euh, elle pourrait être peut-être plus pertinente pour, euh, euh, pour codifier euh, c'est vraiment sympa de se faire insulter par, par des mecs qui ont que ça à foutre c'est un peu désespérant sur la nature humaine euh, donc il euh, y a quand même des mecs qui, qui, qui le lundi matin à 10h45 traînent sur Youtube pour insulter euh, ceux qui y font cours donc c'est vraiment euh, c'est affligeant quoi. vous imaginez la vie de ces gens là quoi c'est quand même d'un vide abyssal euh, bref donc là je m'adresse hein, à mes étudiants à ceux qui ont un, dont la vie a un intérêt euh, et je disais ouais on peut aller chercher on peut aller chercher, un, on peut aller chercher un, un, une organisation spécialisée sous-spécialisée euh, ça se fait un petit peu en matière d'environnement hein. ça se fait un peu en matière d'environnement même s'il n'y a pas beaucoup de, de conventions de codification en matière d'environnement mais euh, euh, voilà, en matière d'environnement marin notamment il euh, y a une organisation qui s'appelle l'Organisation maritime internationale et qui parfois a euh, proposé des, euh, des... Ouais, exactement euh, qui respecte pas les, les règles non écrites de YouTube. Mais ce c'est pas des États donc ça marche pas. Ça marche pas avec eux. Euh, donc je disais voilà, on, on, l'Assemblée générale peut confier ses hein, projets de codification à à d'autres à d'autres types d'organismes. Bon. J'insiste pas, hein, je voulais juste l'évoquer. Euh, pour pour euh, que que euh, vous sachiez que ça peut ça peut exister ça ça peut arriver. Euh, alors ensuite juste sur le bilan de la codification, bon rapidement euh, juste pour vous dire que euh, la codification elle a quand même abouti à pas mal de grandes conventions et euh, euh, en fait, il y a un certain nombre de conventions internationales dont dont on, on oublie que euh, elles sont, euh, elles sont le résultat d'une codification. Donc je vous dis, j'ai pris l'exemple tout à l'heure, c'est le plus simple, hein, et je ne vais, vais pas les multiplier, mais euh, la, la Convention de Vienne sur le droit des traités, euh, c'est une convention qui, en fait, c'est une convention de codification de la pratique, parce que des traités, bah, les États en signent depuis plusieurs siècles, donc il y a une pratique très claire et quand même assez, assez précise sur l'entrée en vigueur, la signature, les réserves, etc. Vous voyez, tout ça, c'est des éléments qui ont été codifiés par la, convention, la Commission du droit international et qui ont été intégrées dans la Convention de Vienne, euh, laquelle est donc une con convention de codification. Vous voyez euh, On peut prendre aussi de différentes conventions sur le, sur le droit de la mer, par exemple, euh, ou... Euh, bref enfin bref plusieurs courants textes de ce, de ce type là hein. je n'ai pas forcément de je ne vais pas forcément multiplier les exemples euh, mais la convention euh, la grande convention sur le droit de la mer c'est une convention de codification aussi euh, bon, bref donc je je, 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 je vous dis je n'insiste pas trop là-dessus puisque euh, ce n'est pas utile de multiplier les exemples mais sachez qu'il y en a un certain nombre et euh, voilà au fur et à mesure du cours lorsqu'on rencontrera des textes qui sont issus des travaux de la commission du droit international euh, je, euh, je ne manquerai pas de, de le signaler alors Ensuite, je, justement, je voulais, dans un grand B, évoquer les effets de la codification. Et ça me permettra de remonter à la, à la question que vous posiez tout à l'heure. Euh, les effets de la codification, euh, alors, il y, 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 y a deux effets, évidemment, qui sont tout simples. Hein. La première, le premier, pardon, c'est la création d'un nouveau support normatif. En fait, c'est la création d'un nouveau traité euh, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que l'effet de la codification, c'est d'enclencher un processus conventionnel euh, C'est-à-dire un processus de, par lequel euh, euh, les États vont pouvoir signer, ratifier un traité, etc. Vous voyez donc on, on, on est euh, euh, finalement euh, dans exactement le même processus que celui du traité, donc je, je vous renvoie au premier chapitre, hein, euh, puisque c'est un traité tout à fait, tout à fait ordinaire hein, qui va. Euh, euh, et qui va nécessiter le consentement explicite des États pour pouvoir euh, pour pouvoir entrer en pour pouvoir entrer en vigueur. Ça c'est la première conséquence, elle est toute simple, elle est logique. Hein. Euh, voilà, on fabrique un traité, à la fin ça fait un traité. Premier effet. Deuxième effet, et c'est là que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quand même aussi le maintien de la norme coutumière. Ça c'est important, et il est important que vous le reteniez bien, c'est que euh, la, la norme coutumière. Euh, Continue à exister, voyez, même si elle a été mise à l'écrit, elle continue à exister. Ce qui fait que vous pouvez avoir la même norme qui a euh, les deux supports normatifs. Une même norme qui est à la fois coutumière et conventionnelle. D'accord euh, Et c'est la solution de principe. Hein, normalement, lorsque vous avez une norme qui est codifiée, elle est maintenue comme norme, comme norme coutumière. Alors, ça appelle quelques petites remarques, quelques, quelques nuances ou quelques précisions. C'est que, d'une part, ce qu'on peut constater, c'est que même si les deux normes euh, coexistent, il peut y avoir un petit décalage entre l'une et l'autre quant au contenu, quant à leur contenu. Il peut y avoir un petit décalage parce que le, le traité de codification, sur certains points, il peut aller plus loin, il peut éventuellement euh, être un peu différent, il peut être plus précis, il peut, il peut proposer d'autres critères, etc. C'est une codification qui parfois n'est pas complètement à droit constant comme on dit en droit français, c'est-à-dire c'est une codification qui peut impliquer des éléments de développement et peut parfois aller un tout petit peu un tout petit peu loin. Donc voilà, bah, votre question est-ce que les deux normes peuvent évoluer différemment Oui, elles peuvent évoluer différemment, notamment la règle coutumière va pouvoir évoluer par la pratique des états, la règle conventionnelle, elle bon, elle est elle est, elle est figée dans le texte mais son interprétation peut évoluer. Donc en fait, elles peuvent se détacher un petit peu l'une et l'autre progressivement. Et c'est des choses qui peuvent se produire. Alors même si en pratique, généralement, euh, on va privilégier la règle conventionnelle, mais elles sont indépendantes l'une de l'autre. Même si le traité est une codification, ensuite il existe comme traité. voyez, Et la Convention de Vienne, bah, jusque-là, vous l'avez appliquée sans savoir que c'était une règle coutumière écrite. Donc euh, c'est un, un, euh, un, point, un point important quand même. Il peut y avoir un petit décalage. En pratique, il y en a rarement, il y en a peu, mais... C'est théoriquement tout à fait, euh, tout à fait possible. Euh, ensuite, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que du coup, la, 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 la subsistance, si j'ose dire, de, de la règle coutumière, elle implique que euh, l'État qui, euh, qui était euh, soumis à la coutume, l'État à qui la coutume était opposable, et qui n'a pas ratifié le traité de codification, voyez eh bien, cet État reste entièrement soumis à la règle coutumière, sauf s'il était objecteur persistant. Mais dans la mesure où on a finalement deux fondements normatifs autonomes l'un de l'autre, et ils sont, ils, sont, ils sont complètement autonomes sur le plan juridique, un État peut être soumis à la règle coutumière sans avoir ratifié le traité. Alors l'inverse est plus difficile, si l'État a ratifié le traité, on va considérer qu'il a implicitement admis la coutume aussi, matériellement en tout cas c'est la même règle. Donc, euh, donc normalement, le, le, il reste soumis à cette règle-là. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette première hypothèse. Donc, l'État qui n'a pas ratifié le traité de codification, il peut rester soumis à la coutume. Et ça veut dire que si jamais le, le contenu de la coutume est le même que celui du traité, et si jamais le traité est un traité de codification fidèle à la norme coutumière, eh bien, on peut avoir un État qui va être soumis au contenu du traité. Parce que le contenu du traité est coutumier, vous voyez même s'il n'a pas ratifié ce traité-là. Hein euh, et donc là, ce n'est pas un problème de consentement, puisqu'il ne sera pas soumis au traité en tant que tel il sera soumis à la règle contenue dans le traité. Parce que la règle contenue dans le traité, elle est coutumière, et cette règle coutumière, elle s'oppose à l'État. Euh, et donc c'est comme ça c'est en fait comme ça le, le, la situation que je viens de décrire, c'est exactement celle de la France vis-à-vis -vis de la Convention de Vienne. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à, à demi-mot, on n'avait pas abordé encore la question de la coutume. C'est que la France n'a pas ratifié la convention, la convention de Vienne sur le droit des traités. Euh, elle ne l'a pas ratifiée. Pour autant, dans la mesure où la Convention est, est parfaitement coutumière, et l'ensemble de la Convention est opposable à la France. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question hein, de savoir si, euh, euh, si la Convention est opposable à la France. On sait que la France ne l'a pas ratifiée, mais que sur le plan coutumier, le, 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 le contenu est opposable. Euh, alors, je vais, je, vais, je, vais, je vais répondre à votre question, que je, 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 voulais, je, voulais, je voulais arriver là-dessus justement, euh, parce que c'est parce que tout à fait essentiel. Juste un, un petit point de, 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 de détail, c'est que... Euh, et alors, ça, ça va, ça va, c'est un, un début de réponse à votre question, et j'y viens tout de suite après. Ce qui est intéressant dans l'exemple de la France et la Convention de Vienne, c'est que... Euh, le, le, euh, la, la coutume elle-même peut évoluer dans le sens de, 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 la, de la convention. C'est-à-dire que, je m'explique, on a un processus suivant lequel on a d'abord la règle coutumière, et, qui ensuite est mise dans un traité. Euh, okay. euh, le traité peut apporter des choses par rapport à la règle coutumière. C'était le cas de la convention de Vienne, justement. Et ensuite, la coutume peut reprendre cet apport du traité. C'est-à-dire que parmi les États non partis au traité, on va finir par accepter des éléments qui n'étaient pas coutumiers au départ, mais qui le sont devenus par l'exercice du traité. Je m'en explique, explique tout simplement avec l'exemple précisément des normes impératives du droit international. Euh, je m'en explique avec les normes impératives du droit international, qui, euh, qui est un concept, le concept de use cogens, le concept de normes impératives, c'est un concept qui a été créé par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Euh, c'est un concept qui a été créé par, par la Convention de Vienne, il n'existait pas à l'époque. Okay Donc il n'était pas coutumier. Là, on n'est pas dans une codification à droit constant, c'est une introduction d'un nouveau concept en droit international. Et j'en parle ici parce que ce concept, c'est la raison pour laquelle la France n'a pas ratifié, elle a signé, mais elle n'a pas ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités. Parce qu'on est à la fin des années 60, la Convention de Vienne, elle est en 1969. Donc, c'est encore là, on est à la fin de De Gaulle, De Gaulle-Pompidou, hein, c'est encore là une, une, une vision, euh, une vision un, peu, un peu totale de la souveraineté euh, française. Et donc, pour la raison, euh, en raison du mention des normes impératives du droit international, donc ces normes auxquelles on ne peut pas déroger, donc qui sont une forme d'atteinte à la souveraineté, en théorie en tout cas, euh, la France n'a pas ratifié la Convention. Bon, depuis le début des années 70, la fin des années 60, le début des années 70, le concept de norme impérative, il a été tellement appliqué qu'il est devenu coutumier. Vous voyez euh, ce, qui, ce qui fait que ce concept, aujourd'hui, il est opposable à la France, non pas sur la base de la Convention de Vienne, mais sur la base de la coutume. Donc on a eu vraiment, vous voyez, ce processus de, de billard à trois bandes, on a une, une norme coutumière qui évolue. Enfin, une norme coutumière qui est reprise dans un traité en évoluant et qui va finalement ré, euh, 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 rejoindre de nouveau le champ de la coutume par l'influence du traité. Donc, finalement, le traité de codification peut lui-même avoir une influence, voyez, sur la règle coutumière qui elle peut évoluer un peu plus facilement. Il n'y a pas besoin d'amender une règle coutumière. Il suffit que la pratique s'adapte. Et en l'occurrence, la France admet sans aucune difficulté le concept de norme impérative aujourd'hui, hein, mais sur une base coutumière. Et donc. Voilà le, 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 euh, ce que je voulais évoquer. Et du coup, pour répondre à votre question, est-ce qu'un traité peut contredire, voire rendre rendre caduque une règle coutumière euh, Oui, un traité peut remettre en cause une règle coutumière, effectivement. Et euh, il peut remettre en cause une règle coutumière. On peut, on peut faire un traité pour échapper à une règle coutumière, ou pour, pour, pour euh, précisément euh, faire évoluer ou, ou, ou rendre caduque une règle coutumière. Il peut le faire. La difficulté est précisément que dans cette hypothèse-là, l'hypothèse hypothèse de votre question, le traité ne sera opposable qu'aux parties au traité. Et que, sauf à ce que le traité soit ratifié par l'ensemble des États, eh bien la règle coutumière va subsister. Vous voyez Elle va subsister entre les États qui ne sont pas partis au traité. Euh, sauf si on assiste... Alors, enfin, ce qui risque de se passer dans l'hypothèse que vous soulevez, c'est un peu ce que je viens de décrire avec le Ius Cogin, c'est la France. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une règle coutumière okay, qui est remise en cause par un traité. Ce traité est signé par deux tiers des États. Bon, vous avez un tiers des États qui reste soumis à la règle coutumière qui a été contredite par le traité. Euh, la pratique internationale peut évoluer dans le sens du traité, c'est-à-dire dans le sens de la caducité de la règle coutumière. Auquel cas même les parties, les États, pardon, non partis pardon, non, même les États non au traité, je vais y arriver, euh, finiront par être soumis euh, à, à, à non pas au traité, mais à la règle coutumière telle qu'elle a évolué par l'influence du traité. Vous voyez, ça, ça, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais, mais c est, c est, en réalité, c'est assez, assez simple. Hein. Euh, vous voyez, c'est vraiment des... Euh, euh, des, des, comment dire, des, des, des processus assez logiques hein, d'influence normative, mais euh, voilà en gros hein, ce qu'on qu qu peut dire. Et donc effectivement, un traité, euh, un traité peut faire ce qu'il veut d'une règle coutumière, et par la pratique née sur le fondement de ce traité, la règle coutumière peut elle-même évoluer par la, par la suite. Euh, donc voilà le, 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 euh, ce que je voulais dire essentiellement hein, sur, les, sur les effets de la codification. Donc vous voyez, il y a, y a quand même quelques nuances, quelques éléments dont il faut... Euh, c'est totalement logique bon si vous trouvez ça logique c'est déjà un bon signe euh, mais effectivement <laughs> effectivement ça l'est donc tant mieux si vous, si vous comprenez ça mais vraiment voilà c'est euh, relisez -re bien vos notes là-dessus il faut, faut que vous soyez bien à l'aise là-dessus hein, parce que là on est vraiment dans des processus vous voyez de, de, de techniques juridiques qui sont pas hyper compliquées encore une fois qui sont assez logiques mais qui sont vraiment euh, le cœur de, du système juridique international et qui sont très formateurs sur le plan juridique, pour l'esprit juridique. J'insiste là-dessus, ce que je disais au début. Le but, là, ce n'est pas forcément de vous former au droit international, mais vraiment à avoir des réflexes de droit. Et ça, typiquement, c'est des réflexes de techniques juridiques qui sont, qui sont très sains pour le... et, et applicables dans, dans beaucoup d'autres matières. Euh... Donc, euh, pour, pour terminer ensuite, et là, là, de manière un peu plus, euh, un peu plus simple, euh, un mot sur la mise en œuvre de la coutume en France, euh, parce que jusqu'ici, j'étais vraiment dans le droit international. Alors, qu'en est-il qu en, est en, qu en, en France euh, Je l'ai fait pour les traités. Hein. Vous vous souvenez, j'avais étudié, mon l'article 55, 52 de la Constitution, etc., comment ça marche, euh, les conditions de réciprocité, enfin bref, comment est-ce que les traités sont introduits en France. Je voudrais faire la même chose pour la... Euh, pour la, coutume, pour la coutume internationale. Alors, ici, euh, la difficulté, c'est qu'il euh, y, y a moins de dispositions constitutionnelles, vous voyez, il euh, y a moins de dispositions constitutionnelles que pour les traités, puisque pour les traités, on avait des dispositions euh, qui, sont, euh, qui sont précises. Alors, je vais fermer. Voilà. Merci Nadine pour ton intervention, c'est vraiment très intéressant. Euh, on a, pour les traités, vous savez, on avait des dispositions explicites. L'article 55 qui nous dit les traités ou accords régulièrement ratifiés, etc. Euh, L'article 52 qui nous dit c'est le président qui ratifie, etc. Bon. Donc euh, la, la coutume, elle n'est pas mentionnée comme telle dans la Constitution. Euh, elle n'est pas mentionnée comme telle dans la Constitution. Et on sait que... Euh, D'après les juridictions françaises, c'est un premier point important d'après les juridictions françaises, les dispositions constitutionnelles relatives au traité euh, ne sont pas euh, applicables à la coutume n'est okay pas transposable comme tel à la coutume. Euh, c'est limité au traité. Donc euh, il faut aller voir s'il n'y a pas d'autres dispositions. il y en a une qui renvoie non pas au traité mais au droit international dans son ensemble, donc, qui peut inclure la coutume, c'est euh, le, le, le la ligne A14 du préambule de 1946, de la Constitution de 1946, Ouf, le préambule de la Constitution de 1946, qui euh, prévoit que, et qui fait partie du bloc de constitutionnalité hein, euh, et qui prévoit que le, euh, euh, comment dire, que le, la France, enfin, je ne sais plus le texte exact en, terme, en, en tête. Hein, mais qui prévoit que la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. C'est à peu près ça. Euh, donc, dans le préambule de 46, il y a cette mention du droit public international, euh, il y a la mention du respect du droit international par l'État français, euh, et ce qui m'intéresse, c'est que c'est une référence au droit international, voyez, pas seulement au traité. Toutes les autres dispositions, elles parlent que des traités. Donc, finalement, la euh, référence principale, c'est celle-ci. C'est la référence à, à, au, à la... À la euh, au, pardon, parce que pendant ce temps-là, j'ai des hésitations, parce que je, je là, il y, a une, il y en a qui s'amusent, donc je bloque un certain nombre d'utilisateurs du chat. Euh... Bon, merci, c'est gentil. Euh, le. le, le, le... Excusez-moi, on va vraiment quitter YouTube hein, dès qu'on qu pourra. Euh, donc, je disais, ouais, le préambule de 46 nous donne un peu une porte d'entrée quand même. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. En fait, c'est ça que je veux dire c'est que du coup, il y a quand même une obligation constitutionnelle faite à l'État français de respecter la coutume internationale. C'est ça qu'il faut, euh, qu faut comprendre. Euh, il y a une obligation constitutionnelle et donc. Euh, non pas seulement en vertu du droit international, mais aussi en vertu de la Constitution, la France doit respecter le droit international et donc y compris le, le droit coutumier. À ça, on peut ajouter, donc j'ai indiqué, vous voyez, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, euh, puisque dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on trouve quelques références. Alors elles sont pas nombreuses, hein, mais on trouve quelques références à certains grands principes, euh, euh, le, notamment le principe du respect des engagements internationaux. Euh, le principe de euh, la responsabilité pour dommages causés à un autre État mais quelques grandes règles du droit international qui sont des règles coutumières et donc qui sont euh, euh, ici de valeur constitutionnelle grâce à euh, grâce à la jurisprudence du, euh, du Conseil constitutionnel donc euh, on a on a voilà ce que je voulais dire c'est que je, je reviens là-dessus hein, on a une, une une base juridique, une base constitutionnelle. Ok. Euh, maintenant, qu'est-ce que les juges en font de cette base constitutionnelle euh, C'est, il euh, euh, y a une pratique différente, vous voyez, des, des, des deux juges. Le juge administratif, donc, a posé, euh, en gros, sa position dans l'arrêt Aquarone en 1997, euh, que vous avez dû voir en droit administratif, et alors, qui, qui dont, 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 la solution est un peu ambiguë, elle n'est pas, euh, pas, elle n'est pas, elle n'est pas extrêmement claire. Oh, il y a qui s'amusent là, c'est un peu chiant. Euh... Est-ce que euh... on pourrait faire un. Je vais, je vais, je vais m'arrêter là, c'est vraiment trop pénible. Est-ce qu'on pourrait faire un, un groupe privé euh... Mais je ne sais pas comment faire sur YouTube, en plus, c'est ça, ça le problème. Euh... Parce que là, franchement, ça devient, ça devient, ça devient, ça devient infernal. Euh... Non, je dis les Skype, mais, euh... mais ça ne marche pas très bien. Euh... Alors attendez, bon, je vais au moins finir la, 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 la coutume et puis on va essayer de trouver un autre moyen de, de communiquer là, parce que c'est vraiment, vraiment trop pénible. Euh... Donc je termine juste là-dessus. Euh... Donc euh... Ah, bah, lui il me fait des bisous, il est gentil. On ne va pas s'en plaindre. Euh, Skype entreprise fonctionne bien. Ok. Écoutez, je, vais, je termine juste ça et puis on va essayer de basculer sur Skype entreprise parce que là, c'est vraiment... Euh, on est vraiment... Euh, on est vraiment spammé par des gens désoeuvrés. Euh, ou Teams. Mais est-ce que j'ai un truc Teams ouais, Je vais voir. Mais je ne sais pas comment vous contacter. De... Est-ce que vous avez un groupe Facebook ou vous avez une, euh, quelque chose pour communiquer entre vous ouais, Skype ou Teams Bon, On va, on va, on va voir. Euh... Ok, est-ce que euh... un groupe Messenger, est-ce que vous avez un délégué dans la promo Oui, il vous faut un lien pour capter pour ça. Est-ce que vous avez un délégué de promo ou quelqu'un à qui je pourrais envoyer le. Grégory, Julien, ok. Est-ce que Grégory, Julien, vous pouvez m'envoyer un mail comme ça Je vous envoie un, je vous envoie un lien. Et, euh, et comme ça, vous le partagerez sur, sur Messenger. Ok. Grégory, il est là ou pas Si ça se trouve, il est. Euh... Teams, ça fonctionne mieux que Skype. Ouais, le, le problème de Zoom, c'est que là, il n'y a pas de licence. Euh, moi, je n'ai pas encore de licence pour avoir des. Une durée à mar marquer, je peux faire 40 minutes. Euh... Je vais essayer de vous envoyer un, un zoom, mais je ne sais pas si le, si le délégué est là. Bon, sinon quelqu'un... Euh... Euh... Ouais. ok, bon, très bien. Je prends quelqu'un au hasard. Camille, Camille tout un. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un euh, mail euh, vous m'envoyez un mail et comme ça je vous, renvoie le, je vous renvoie le lien zoom ok ça marche bon et donc là, là je, quitte, je quitte youtube immédiatement parce que franchement c'est le voilà euh... c'est un peu désespérant et, et donc dès, dès que j'ai votre dès que j'ai votre lien dès que j'ai votre mail pardon je vous envoie un lien zoom et je vous fais un et comme ça on reprend, on reprend sur zoom Bon, merci, merci à Gr Romain Gravelot, euh, qui apparemment est quelqu'un de sérieux et qui s'est intéressé, tant mieux. Si ça vous intéresse, le droit international. Mais effectivement, on va continuer en privé. Euh, j'ai un mail ICP, mais du coup, j'ai pas très envie de vous le donner ici. Euh, ouais, celui de l'ICP, ouais. Il est, il doit, vous, vous devriez pouvoir le trouver, oui, sur le site. Sinon, ah oui, je dois pouvoir le trouver. Enfin bref, on va trouver un moyen de communiquer. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Attendez, je regarde juste si j'ai. Ouais, ok. Attendez, je vous, je vous dis là, là, je vous dis dès que un, si j'ai un, un mail de la part de quelqu'un d'entre vous. Pendant ce temps-là, je fais un truc zoom. Un mail ok c'est bon camille tout un j'ai mail de votre part écoutez je, je coupe la vidéo youtube ici et je vous, euh, je vous envoie un lien euh, sous, zoom tout de suite ok bon à tout de suite désolé pour ce petit euh, ce petit épisode